On est vendredi enfin, comme à chaque fois, c'est ma journée préférée. Enfin, j'ai un peu le soleil dans la tête, mais bon, ça va aller. Vendredi, je sais plus, 5 mai? Ouais, 5 mai. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bah, je me suis en fait beaucoup occupée plus de ma famille. En tant que journée de temps libre, j'avais lundi, qui était jour férié. Et puis mercredi, comme d'habitude. Mais bon, là, lundi, en fait, j'ai aidé ma grande à faire le tri dans sa chambre. Parce qu'elle voudrait changer la déco. Et donc, il y a d'abord un tri à faire avec récupérer des jouets pour la petite, etc. Et puis mercredi, on est allé faire du shopping. Pareil, il faut aussi la rhabiller de temps en temps. Donc, on s'est fait une après-midi mère-fille à faire du shopping. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fini tous mes colis quand même la semaine dernière. Donc ça c'est chouette, j'ai tout envoyé. Et puis donc là cet après-midi, je vais en profiter pour mettre en ligne le stock que j'ai prévu en plus. Et puis qu'est-ce que je veux faire? Je voulais faire un peu un bilan, voir un peu ma vente, comment ça s'est passé. Demain après-midi, je vais dans une petite ville à côté d'Arras pour faire une vente privée. Enfin, j'expose entre guillemets à une vente privée. Donc ça va être sympa. Ça va être des rencontres, ça va être du papotage à gogo avec Amandine et Amandine. Donc je suis super contente. Donc pour ça, je vais faire. En fait, on ramène chacune des petites choses à grignoter. Donc, moi, je vais faire des cookies. Alors, je sais pas si je vais les faire cet après-midi ou si je vais les faire ce soir avec la puce. Ça, je verrai bien tout à l'heure comment ça se passe, ce que j'ai envie de faire, etc. Voilà. Et puis, l'après-midi aura déjà passé. Ça passe tellement vite. À 5 h, je vais chercher la petite. Voilà. Demain, super matinée. Je vais avec ma petite sœur Mélanie de Cozy Pumpkin. Nous allons faire un atelier céramique. Donc, on va faire. Et puis avec ma grande fille aussi. On va aller faire de la poterie, c'est chouette. Donc, je pense que moi je vais faire une palette. J'en ai déjà une qui est super jolie en forme d'aile ou de feuille, comme on veut, une aile plutôt. Mais bon, voilà, j'aimerais bien en faire une deuxième. Puis après, on verra bien ce que Mélanie et Juliette vont faire. Ça va être sympa, je pense. Puis ce qui est bien, c'est que la dame va nous expliquer un peu les bases de la poterie, tout ça. Donc, je vais essayer de vous filmer tout ça. Là, de toute façon, j'ai commencé un peu à filmer pour un prochain vlog. Donc, je pense que demain matin, je vais filmer pour ça. Et dans le prochain vlog, j'aimerais bien un peu vous embarquer vers les prochains projets enfin, ce que j'ai envie de faire prochainement. Alors, je suis toujours un peu perdue dans ce que je vais faire, dans ce que j'ai envie de faire. C'est toujours compliqué. Donc, ce que j'ai prévu aussi à partir enfin, la semaine prochaine, vendredi prochain en fait. Vendredi prochain midi, j'ai rendez-vous avec un rendez-vous visio avec une coach de vie, pour apprendre à mieux me connaître, savoir un peu plus ce que je veux, aussi bien sur un plan personnel que bien sûr pour Nat Illustre. Voilà, parce que j'ai l'impression de pas toujours savoir ce que je veux. Après, j'ai un peu le mauvais penchant de dire que je vais faire une chose et finalement je le fais pas. Enfin, c'est. Voilà quoi. Je suis pas toujours très au clair avec moi-même, je pense. Donc, j'ai déjà regardé beaucoup de vidéos, écouté des podcasts. Après, sur la CNV, comme je vous en ai déjà parlé, sur le développement personnel, tout ça. Et je pense que maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de discuter plus approfondi avec quelqu'un. Donc là sur Arras, j'ai trouvé une dame qui fait un premier entretien pour faire connaissance, pour cibler un peu les besoins. Donc voilà. Donc ça, je pense que ça va être intéressant. Et franchement, j'ai hâte de commencer ça, cette introspection guidée sur moi-même. Donc voilà, sinon, tout va bien. On va dire en gros, tout va bien. Voilà, je vous laisse là. Je vais faire mon petit tour. Je vais marcher un petit peu, profiter des rayons de soleil. Ce matin, il pleuvait, mais là, maintenant, il y a du soleil. Et puis, ce soir, faire quelques courses, etc., etc. La vie quotidienne, quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite un très bon long week-end à nouveau.
Profitez-en bien, profitez bien de votre famille. J'espère qu'il fait beau, que vous pourrez sortir, etc., etc. Voilà, bisous. Au revoir.